дуже задоволені тим, що ми у Франції. Нас дуже тепло скрізь приймають. Ну, є якісь складнощі, але це наша робота, ми звичні до цього. І, безумовно, ми з великим задоволенням граємо французькій публіці. От зараз в концерті звучав наш Скорик, і його дуже добре приймала знаменита мелодія Мирослава Скорика. Це вирішилося буквально перед концертом, і ми хотіли зробити такий подарунок нашим співвітчизникам, і я думаю, що це вдалося, і ми грали це з великим задоволенням. Знаєте, коли цю мелодію граєш десь за кордоном, то відчуваєш особливо якось гостро те, що ми приїхали з великої країни також. Il y a 4 ans ici, sur ces marches, Vassil Slipak, bariton ukrainien, ami cher à mon cœur, trois autres amis et moi fondions par un concert une association qui était à vocation de venir en aide aux orphelins d'Ukraine. 4 ans et nous en sommes au même point. Se battre chacun à sa mesure, chacun avec ses armes, pour aider les victimes de la folie des hommes. Tout comme il y a 4 ans, je me tiens devant vous pour vous parler de l'Ukraine, si chère à Vassil, si chère qu'il a donné sa vie pour elle, pour défendre les siens, pour en venir en aide à son peuple. C'est un orchestre qui sait très bien s'adapter à toutes les circonstances. Par exemple, aujourd'hui, dans cette église, la place était très exiguë. Ça n'est pas fait pour un orchestre philharmonique. Donc, pour saluer les gens, j'étais un petit peu obligé de passer dans les rangs. L'orchestre était très serré. Mais les musiciens ukrainiens sont tout terrain. Donc, ça ne leur pose absolument aucun problème. Ni de jouer dans ces circonstances-là, ni de jouer avec un autodidacte comme moi, avec qui il y a toujours des surprises. Voilà, donc ce ne sont pas des gens formels, ce sont des gens qui s'attachent au fond. Et lorsqu'ils sentent des vibrations musicales, comme ça a été le cas aujourd'hui, ils sont très sensibles à ça avant tout. Donc pour moi, qui ai un peu le même esprit, c'est formidable, parce que je n'ai jamais vu ça, en fait. Je n'ai jamais eu ce type de complicité.